en juillet, j'ai créé une entreprise avec Victor. L'entreprise, elle est en train de développer Octavio, qui est un petit dispositif qui permet à la musique de vous suivre dans les différentes pièces de votre maison. Alors, on a eu la chance d'être accompagné par le Hub House de l'Université de Lille, qui ont su nous guider déjà sur les thèmes à aborder, les axes qu'il fallait prendre, parce que c'était un secteur qu'on connaissait pas du tout, l'entrepreneuriat. Et donc, ils ont su aussi nous guider vers les sessions de l'étudiant créateur, qui sont 10 modules répartis d'octobre à décembre, pour nous sensibiliser sur les problématiques d'entrepreneurs. Chacun module est vraiment spécifique, donc assuré par un intervenant de qualité, que ce soit un avocat, que ce soit un chef d'entreprise, et qui nous aide à aborder différents thèmes qu'on n'a pas forcément connaissance en étant un simple étudiant, quoi. Le Hub House, il nous a proposé de participer au concours du Hub Game, qui est un concours pour tous les étudiants de l'Université de Lille, où il fallait poster une vidéo. On a eu la chance de gagner ce concours, donc en gagnant une somme d'argent et aussi une visibilité, aussi une expérience de parler notre projet avec l'extérieur, de parler notre projet en public, devant un jury de gens spécialisés. Le véritable apport à long terme des sessions de l'étudiant créateur, c'est de nous apporter un réseau de professionnels aussi. On a eu aussi la chance de participer aux sessions de l'étudiant créateur avec d'autres étudiants qui étaient dans le même parcours que nous, des étudiants entrepreneurs. Et ça nous a permis de construire aussi un réseau avec eux. On continue encore à discuter, même si les sessions sont finies.